Avant que la vidéo commence, j'aimerais t'informer de quelque chose. La vidéo est en double. Celle-ci que tu vas voir actuellement a été raccourcie au maximum pour qu'on ne voie que les ascenseurs. Si tu veux la voir, la vidéo en entière où je filme d'autres parties dans le bâtiment sera en non répertorié. Elle sera beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée. Mais le lien est en description de cette vidéo. Merci. Voici un des trois monts de charge du personnel, monts de charge hydraulique. Celui-ci accédait depuis le stock au sous-sol au rayon du magasin d'alimentation et d'habits au rez-de-chaussée. Et là, le moteur hydraulique du mont de charge. On peut voir sur la cuve d'huile, au niveau de la plaque d'info de la machine, qu'elle date de 1981. Je remarque sur le carnet d'entretien du mont de charge que la dernière visite d'entretien était le 7 février 2014, juste avant la fermeture du centre et depuis tout est à l'arrêt. J'arrive dans la seconde partie du sous-sol du centre, là où se trouvait le second mont de charge. Celui-ci accédait du sous-sol, il allait directement au premier étage et au deuxième étage, sans arrêt au rez-de-chaussée, dans les rayons des jouets, des habits de sport et de la jardinerie. Contrairement à l'autre mont de charge hydraulique, celui-ci est hydraulique à câble, c'est-à-dire qu'un piston est propulsé avec de l'huile hydraulique. Ce piston tire une poulie et cette poulie tire des câbles qui font monter la cabine. Je
Je remarque sur la plaque d'info de la cuve d'huile de ce monte-charge qu'il date de 82. Ce qui me fait croire qu'une partie des monte-charges et des ascenseurs auraient été installés en 81 et que le dernier ici aurait été installé en 82, peut-être juste après les fêtes de fin d'année. Ici, on peut voir que la cabine du monte-charge est descendue de quelques centimètres dans la fosse. Il faut bien savoir que ces ascenseurs sont à l'arrêt depuis 6 ans et qu'avec le temps, la pression du poids de la cabine a fait vider le peu d'huile qui restait dans le piston hydraulique. Après avoir fait un tour dans ce sous-sol, nous allons nous retrouver directement au deuxième étage du bâtiment. Nous allons passer directement à l'étape des ascenseurs. Des ascenseurs clients.
Ces ascenseurs, je les ai moi-même utilisés des dizaines et des dizaines de fois quand ils fonctionnaient encore. Ça m'attriste d'un côté de les voir dans un état pareil. Maintenant, ils ne sont plus vraiment bons à être mis en service. Je me souviens qu'en 2014, quand le centre était encore ouvert, je voulais filmer ces ascenseurs pour avoir au moins une vision de leur existence quand ils fonctionnaient, quand ils marchaient encore. Mais j'avais trop peur de me faire choper par le personnel. À l'époque, j'étais très timide par rapport à aller filmer dans des lieux publics. Et maintenant, je regrette fortement de ne pas les avoir filmés. Je croyais d'ailleurs que des ascenseurs comme ça, il n'en existait que dans ce centre-là. Mais grâce à des recherches et d'autres connaissances, j'ai réussi à savoir qu'il y en avait d'autres qui fonctionnent encore dans un autre centre. Et j'ai réussi à aller les filmer pour vous montrer un peu ces ascenseurs, enfin ceux-là, quand ils fonctionnaient encore, vu que c'était les deux mêmes. Après vous avoir montré cette vidéo avec ces deux ascenseurs qui fonctionnent encore, ces deux magnifiques ascenseurs R-série de Schindler, nous allons continuer dans notre sous-sol. Et je vais enchaîner directement avec le dernier monte-charge du personnel. Ce monte-charge desservait le sous-sol et le rez-de-chaussée et il arrivait sur les quais de déchargement des camions à l'étage du haut.
Sur la cuve, on verra qu'il a aussi été construit en 1982. Pour résumer, il y avait donc dans ce bâtiment deux ascenseurs clients qui faisaient rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Et il y avait deux monte-charge réservés au personnel qui faisaient sous-sol, rez-de-chaussée et un monte-charge réservé au personnel qui faisait sous-sol, premier et deuxième étage. On peut voir dans cette machinerie que tout est resté intact depuis plus de 6 ans. Les machines ont commencé à rouiller. Il y a encore quelques pièces, les vieux classeurs, les vieux schémas qui sont encore là. Tout ça est à l'arrêt depuis tellement d'années maintenant. Quand je pense à toutes les fois où j'ai pris ces ascenseurs, que je me demandais comment étaient les machineries au sous-sol, et que je n'avais jamais osé demander à quelqu'un de me montrer ça, maintenant je les vois enfin, malheureusement dans un état un peu délabré. C'est un peu triste, mais toute bonne chose a une fin.
Chaque armoire de relais fonctionnait pour son ascenseur et le commun fonctionnait pour les deux. Ça avait quand même un certain niveau d'esthétique pour l'époque. Ça fonctionnait aussi bien. Maintenant, d'autres systèmes ont remplacé ceux-ci. On peut voir tous ces armoires avec ces contacteurs relais qui faisaient fonctionner les ascenseurs. Ceci aussi date de 1981. Et on voit l'armoire commune qui gérait en fait le duplex, le système duplex des deux ascenseurs, vu qu'il y avait deux ascenseurs pour un bouton par étage. Tout ça, c'est tout fini maintenant. On arrive gentiment sur la fin des dernières installations qui restent encore en fonction aujourd'hui. En parlant de fin, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce en l'air et laisse un com en bas de la vidéo pour me dire si toi aussi tu connais des ascenseurs qui sont aujourd'hui à l'abandon ou qui sont même été démolis depuis. Voilà, sur ce pour moi c'est tout. Je te laisse finir la vidéo avec la outro et à la prochaine. Ciao !